Hello mes abonnés, j'espère que vous êtes tous bien, pour ça que vous êtes sur ma chaîne de Cristal. Donc je vais vous faire je vais vous montrer une petite vidéo de Vinted. Donc tous les produits que j'ai reçus, maintenant je vous les montre directement, parce que si j'attends un mois, enfin la fin du mois pour vous les montrer tout ce que j'ai eu, et ben on s'en sort plus. On s'en sort plus. Après je sais plus, je mélange pas, bref, voilà. Donc on va commencer par ce que j'ai reçu. En premier, donc en premier, j'ai reçu ce livre là, donc de J.K. Rowling, une place à prendre. Voilà, une place à prendre. Non, moi je le voyais pas, c'était gros que ça le livre. Voilà, c'est son tout nouveau roman. Voilà, c'est son tout nouveau roman. Voilà, il fait 600. Il fait 669 pages. Voilà, 669 pages. Je sais pas si j'arriverai à le lire. Celui-là, par contre. Bon, et voilà. Ensuite, j'ai eu le monde antique de Harry Potter encyclopédie. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà ce que j'ai eu. C'est ce que je me suis commandé. Donc, je vais vous montrer vite fait ce que c'est. Donc, des fois, vous avez des illustrations, des fois. Quand c'est par ordre alphabétique, vous voyez. Voilà. Juste pour vous dire. Voilà. Les dessins sont trop magnifiques, franchement. Donc, c'est pas un livre à lire. Enfin, entre guillemets, c'est pas un livre à lire. C'est pas une histoire. Ça raconte pas une histoire. Ça raconte juste que, bah. Voilà, c'est des. Donc tout le monde connaît ce que c'est une encyclopédie. Donc après, vous pouvez l'avoir sur n'importe quoi. Bah là, c'est sur le monde antique de Harry Potter. Donc c'est tout ce qu'il y a sur Harry Potter. Si vous voulez savoir un truc, un nom qui a été donné dans le film. Ou si vous voulez en savoir plus sur Harry Potter. Mais voilà. Et ça, je le voulais absolument. Voilà. Ensuite, après, je me suis commandé. Pas ces petites trousses là, mais ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous montrer. Donc pas tout, parce qu'il y a des trucs que c'est pas du tout dedans, que j'ai mis là-dedans. Voilà. Vous reconnaissez les feux de chez Action que j'avais perdu moi, que j'ai perdu et je les avais tous. Ma trousse. Donc j'avais des trousses, donc j'avais des bottes aussi, il me semble. Mais je sais plus. Il faut vraiment que j'ai tout enlevé, j'ai tout dans les. Donc il y en a 8. Par boîte, il y en a 8 par boîte. Donc, je vais vous montrer ça, toutes les couleurs. Ah, et je me suis recommandé des autres couleurs parce que j'ai perdu les miens. Je sais pas où les amis, mon fils. Ouais, bref, on va ranger bientôt toute la maison. Quand je dis toute la maison, non, tout le salon. On va finir par trouver. Donc j'ai pris. Vous avez du vert un peu comme ça. Un autre vert comme ça. On dirait presque le même vert. Un vert comme ça, vous voyez. La caméra, ça donne un vert, pas du vert. Donc j'espère que c'est des trucs neufs. J'espère que ça n'a jamais été utilisé parce que moi, comme c'est, en fait, c'est des feutres de chez Action métallique, pardon. Voilà, c'est pour ça que je les voulais. Voilà. Après là, vous avez toutes les couleurs de bleu, vous voyez. Là, tous les verts, toutes les teintes de vert différentes. Et là, vous avez tous les bleus. Jamais essayé, j'aimerais bien essayer, voilà. Donc, et de vous faire un nuancier aussi. J'aimerais bien faire ça aussi, un nuancier aussi, voilà. Quand je les aurai tous eu. Donc voilà quoi, il y avait ça déjà. Ensuite, il y avait quoi ensuite? Donc j'ai reçu hier soir ces deux DVD. Donc en premier, vous avez Ma femme s'appelle Maurice. Voilà. C'est une histoire, une comédie. C'est un film de Jean-Marie Poirier.
Voilà, et là vous avez un autre film donc qui est tout en ce contraire de celui-là. Ça c'est comique, ça c'est pas comique du tout. C'est Ben, je sais pas comment on dit celui-là, voilà. Et ça, il y a Brad Pitt qui joue dedans. Désolé pour ma voix. Donc comme j'étais en train de vous dire, il y a Brad Pitt qui joue dedans. Brad Pitt, voilà. Là, le gentil petit monsieur là, c'est Brad Pitt. Voilà. Donc en fait, ça raconte l'histoire de tous ces personnages-là. Quand ils étaient petits, ils se sont fait violer parce qu'ils ont fait un... Sans le vouloir, ils s'ennuyaient, ils n'allaient pas à l'école, je crois, bref, je sais plus. Et ben, comme ils s'ennuyaient beaucoup, ben, ils s'amusaient à je sais plus quoi faire. Et d'un seul coup, il y a le chariot de... Ah, le chariot de... Vous savez, là, aux États-Unis, là, de... Les hot dogs. Le chariot hot dog, il est tombé dans un escalier de métro, je crois. Et il a écrasé quelqu'un. Voilà. Et donc, ils sont allés en maison de correction, je sais plus, ou dans un centre pénitentiaire, je crois, les enfants. Voilà. Et là-bas, bah, les éducateurs de là-bas, bah, ils les violaient. Ils les violaient, ils les tapaient, ils les massacraient, voilà. Et donc, quand ils sont devenus des adultes, et bah, ils vont tuer tout le monde. Tout ça qu'ils ont violé, un par un, ils vont les tuer. Ils vont se manger, en fait. Voilà. Et franchement, c'est un film tellement triste, tellement beau. Franchement. Donc j'ai trop aimé, voilà. Et ce film-là est trop marrant. Ce film-là est comique de chez comique, je l'adore. Je l'ai en plus de théâtre, mais il n'est pas pareil en plus de théâtre que en film. Donc je préfère mieux sans quoi de film. Moi je vous le dis les amis. Je sais pas, elle est ça dedans, je sais pas. Si on veut dans la même collection avoir des autres films, je crois. Ah, donc ça, c'est tous les acteurs qui jouent dans le film. Donc, donc je vous explique vachement. Ça, c'est le couple. 3 balles. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, 3 balles. Voilà. Et qui veulent acheter l'appartement de Mister, ici, là, de monsieur, là, ici, voilà. Ça, c'est la maîtresse de monsieur. Ici, ça, c'est Monsieur Lapin, qui fait partie d'une association de lapins. Voilà. Ça, c'est le copain de ça, de cette madame-là. Voilà. Et c'est super comique. Voilà. C'est très comique. Je peux vous dire que... Vous n'allez pas vous ennuyer pendant ce film-là. Moi, je vous le dis. En tout cas, si vous voulez, vous n'allez pas du tout vous ennuyer. Le boulet, j'adore. Oscar Eleven, j'adore aussi. Et par contre, les fonds, je déteste. Après, il y a des trucs pour enfants, mais ça, c'est pas ma tasse de thé. Bon bref, voilà. Voilà ce que j'avais reçu dans mon... voilà ce que j'ai reçu hier, ça et celui-là. Allez, voilà. Et donc au début, j'avais reçu le livre là, de PKJ, là. Pas PKJ. J.K. Rowling, pardon. Voilà, le nouveau livre de J.K. Rowling. Et je voulais trop l'avoir. Mais je ne m'attendais pas à être aussi gros que ça et être aussi grand que ça. Voilà quoi. Après, je ferai des vidéos au fur et à mesure dès que je reçois des choses parce que j'ai commandé encore pas mal de choses encore hier. Déjà, quand on fait des paiements, bah, je peux en profiter au maximum, voilà. Parce que si on ne payait pas pour mes articles, bah, je pourrais pas vous tourner des vidéos et je pourrais pas avoir des livres ou des DVD ou des choses comme ça, bah, ou des feutres. Donc voilà. Donc je vous ai tout montré, les amis. Voilà. Je vous ai tout montré. Voilà. J'espère que ma petite vidéo, pardon, vous aura plu. Excusez-moi, je suis en train de tout ranger là avant de vous laisser. Bah, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker,
partager, commenter et de vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et ben moi je vous dis prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne de Cristal.